Hey, salut les gens, c'est Sam, on se retrouve sur Project Zomboid, j'attends Katox et on va rentrer dans le mall, mais de jour ce coup-ci. Comment ça va le signe, comment ça va Dame Ned? Ah, c'est quand même plus calme. Un peu plus Ça calme. va. Ça va. Très très bien. Du coup, je vais cuisiner pour la peine pendant que vous n'êtes pas là. Avec le peu que j'ai. Il y en a quand même pas mal qui se ramènent là, attention. En fait, il me faudrait un bol, je pense, pour faire ça. Prendre un bol, faire une petite salade de fruits. Hein. J'ai Avec les gagné un niveau, mais je recettes, sais pas de quoi. normalement, je peux Un monde directement. bat de baseball. Oui, si on prend de batte de baseball, ouais. Voilà. Les trucs qu'on peut J'en ai trop faire. sur moi, Katak, Préparer j'en un ai trop bloc sur de moi. faucon d'amoine, pourquoi Ouais, j'en vois un pas. sur trois. Ouais, bah, il y Une en avait deux là, salade, avant. de fruits. Voilà. Bon, pour l'instant, on a que des cerises et tout le reste est congelé. Ah, il y en a plein qui tombent du. Ouais, ça tombe du deuxième pour l'instant. Faudrait Voilà. qu'on le trouve, ce magasin. Il est pas juste là sur le côté. Putain, Il il est me manque sur notre gauche, tellement de normalement. trucs. Voilà, Je voilà, voilà, m'arrête voilà, là, voilà. derrière toi. Recule, recule. Ouais, Hop, c'est bon. voilà, une petite salade de fruits. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Voilà, rien de tel pour enlever la dépression qu'une salade de fruits. Je Elle le est où, dis elle est où? toujours. Bah, je viens de la manger, tu veux que je t'en Oh fasse là une? là, bah encore un peu de nettoyage à Attends, faire, hein, c'est dis que donc. pour Je toi, quoi. D'accord, très bien. Ah, oh, c'est une note. salade de fruits. Non, 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 mais c'est bon. Moi, je boude. Au On revoir. a plein là. Je vais décongeler, je vais mettre quelques trucs à décongeler. Katox, t'es en train de te faire attraper, là. Non, non. Hop, on va les mettre dans le frigo pour qu'ils décongèlent tranquillement, sans pourrir. Voilà. Ça devrait décongeler tranquille. Mais qui a fermé la porte? Attends, il y a une vitre à travers, sur la porte. J'arrivais pas à passer. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, elle était fermée, quoi. Bah oui, quand je dis je boude, je boude. Je vois, je vois, je vois. Est-ce qu'on n'aurait pas. Alors, un tournevis, j'ai ce qu'il On va faut. essayer d'aller jusqu'au magasin en courant. Normalement, c'est tout proche. Ça y est, on y est. Ouais, ok, nickel. Allez, on y est. On Voilà, une fouille. clé à molette. Ça, c'est toujours bien, une clé à molette. Couteau de chasse, on prend. Une clé en croix. Parfait. Est-ce que je peux pas aller démonter quelques trucs avec ça, avec tout Grand ça? sac de marin, grand sac de randonnée. Bottes, bottes, imperméables. Bottes, bottes, j'ai que des bottes. Alors, Bottes dans le fond. veste de camouflage, plein de chemises de camouflage militaire. Là, pour l'instant, je cherche vraiment les sacs. C'est ça, c'est le Ouais, moi truc. aussi, ouais. Allez, on retire la Alors, la fenêtre. boutique, tu crois? Derrière, il n'y aura rien. Parfait. Derrière, c'est les Et munitions. après, on peut Oh retirer la putain, ce lag! porte. Porte avant gauche. Ah, mais c'est pas possible ça. Hop là. Aïe, mais. Raté. C'est vraiment des missions suicides là. Hein. Attention à gauche. Ouais, c'est bon. Comment ça, les missions suicides? Qu'est-ce que vous faites? Ah bah on meurt, mais à petit feu. Mais faut pas faire ça. Ah, ici, oh, il y a plein. Ici, c'est un truc de soins. J'en prends plein. Non mais 65% de chances de réussir à un moment là. Normalement, ça fait plus que 10 essais, non? Ah bah quand même. Je suis content d'être venu au surplus militaire pour trouver des bougies. Alors, maintenant qu'on a pu rentrer dans cette voiture en démontant la porte, on a trouvé un Gilet miroir. pare-balles militaire, je le prends quand même. C'est ballot. Bon bah, on va aller déposer ça du coup. Vraiment zéro sac, hein. Moi j'en ai eu deux. C'est lourd. Non, il n'y a pas de Et c'était caisse. pas des sacs Ferme-moi la militaires. porte. C'est lourd. Je vais mourir. Hop. Portière et fenêtre. C'est parti. Bim. La poêle, on va la Je surveille foutre derrière là. toi. Ah, mais on peut faire un pour équiper les objets, putain, c'est trop bien. Bah oui. Oui, tu peux les afficher à ta ceinture et dans ton dos. Ouais, bah mais non, mais moi dans le dos, après, j'allais cliquer droit dessus, équiper et tout, à l'ancienne, quoi. Ah, c'est des raccourcis. Tu sais, quand t'es en course avec les zombies et tout, t'as tout le temps, quoi. Est-ce qu'on prend des armes ou pas? Il y a vraiment rien qui. Quel enfer. On repart au fusil à pompe?
Ça. Il y a ce qu'il faut là. Faut retirer la fenêtre. Tiens, je te donne les sacs. Merde, elle est fermée celle-là, donc je peux pas retirer. Bordel. Bah, je sais vraiment plus rien ici. Je peux la casser. J'ai un sac de marin que je peux te laisser au sol. Ouais, là. J'en ai un, j'en ai déjà. Ouais, mais tu peux en porter plusieurs. Et j'ai un grand sac de randonnée, bah du coup je le mets sur mon dos moi. Et par là, il y a rien. Ah, mais c'est pas une clé ça. Ah, si, par là, il y a des. Ah, oui. Il y a pas de sac, mais. Mais il y aura des trucs qui vont te plaire. Magazine de l'agriculteur. Oh oui. Non, ouais, non, il y a mieux. C'est bon ça. Plein de munitions. Fusil à double canon. Je suis pas très fusil. Là. Pour le corps à corps. Moi, je suis un peu fusil. Il y a le plein en plus. Oh là là, j'ai le clé de la petite Mustang bleue qui est devant le. C'est bon ça. C'est des cartouches calibre 12 qu'il me faut. Il y a de la javel sinon. Ah oui, un cadavre. On va faire un tour d'Amned. Je suis en train de finir de vider ma pharmacie. J'avais pas eu le temps de le faire, mais après, avec plaisir. Bah attends, t'es où? Je te retrouve. Peut-être que vous éteignez le moteur avant d'arriver, avant de revenir, hein, parce que vous allez nous ramener toute la ville. Faire un tour, c'est bien, mais vous revenez pas en bagnole. Ce qu'on veut? Non. Parce que dans ce cas-là, nous on attendra que vous soyez mort avant de revenir. La pharmacie, attends, je fais sortir dans la rue. Quand tu sors devant l'entrée de notre bâtiment, c'est pas possible. Que tu me vois. Je suis devant la grille noire. Tu vois la grille noire? Ah bah, je te vois. Oh la classe. T'as vu, hein? Ah, c'est juste en face. Ah oui, y'a pas besoin de voiture en fait. Non, mais c'est pas grave, c'est classe. Je retourne la garer du coup. Mais après, on peut aller faire un tour avec plaisir. Bon, Damned, Katox, t'as trouvé d'autres trucs intéressants? Des zombies. Je vais juste finir de la vider. Hop. Parce que voilà. Moi je vais mettre raison, je vais te filer un coup de main. Oh, putain, c'est vrai. Je pensais pas que c'était arrive. Aussi proche. Ah ouais, non, mais c'est ouf, hein. Enfin, tous les trucs qu'il y a médicaux, c'est. Tu sais, après, soi-disant, nous on va ramener des zombies et tout machin, et eux qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent plein de zombies. Bravo. On voit non, ils ramènent pas à nous. Bien sûr. T'inquiète, on va les ramener. Mm-hmm. C'est où ta pharmacie? Non, c'est pas là. Allez, j'enfile la botte mitaine. C'est quel bâtiment? Là, tu vois la grille noire, c'est en face, il y a une poubelle à côté. Putain, j'ai faim, j'ai soif. Bah non, c'est fermé ça. Ah, il y a une poubelle à côté de l'autre aussi, d'accord, très bien. Ah, oui, ok. Il y a même un peu de bouffe là-dedans. Par contre, il y a des trucs qui tapent, je sais pas où, mais. Ouais, je pense que c'est dans les bâtiments d'à côté. Alors, je dis bien, je pense. Hein. Ouais, j'ai gagné un point de course. Là il y a des lingettes, des antidouleurs et tout. Hop, on prend. Bon, ça on prend, ça peut toujours servir. Il y a un étage aussi. Ah bah c'est peut-être là que ça tape. Bah je vais t'attendre l'étage. Ah bah il y a ouais, plein de boutiques. On a accès à l'arrière des boutiques. Ouais. Ça, on s'en fout. Je suis sorti et monté à l'étage en fait. Je t'ai vu, j'arrive. Je grimpe. T'es tombé là, non? Parfait. Ah non. Non, je suis là. Alors, si t'as un peu de place sur toi. Est-ce qu'on y va, Katax? Si t'as un peu de place sur toi, je veux bien que tu me prennes ça. Non! Ok, putain, la vache, il passe par-dessus la rambarde là, j'ai eu peur. Ouais, si tu faut éviter de te faire mal. Tu veux que je te prenne ta bouteille? Ouais. Bah oui, je prends ta bouteille. Ouais, il y en a plusieurs, hein, normalement. Il y en avait qu'une. Ah, mais pourquoi mon sac est lourd, capacité. Attends, je vais tout mettre par terre. Ça se fait qu'il n'y a rien dans mon sac. Ah ouais, tout est là-dedans, c'est pour ça. Notamment mon ça. Mon sac de marin. Parce que j'ai trop de choses dans sac à dos, et du coup... Mais pourquoi tu te balades avec 20 000 bouteilles alors qu'on est en face de la base, quoi? Je croyais que j'avais pris les boîtes de cartouches. Je viens de les trouver. Ah, d'accord. Ah, j'ai un peu de place sur les cartouches, etc. Encore ça, si tu veux me le prendre. Je suis plein, ça y est, je vais être trop chargé. Tu prends quoi niveau cartouche? Merde. Moi j'ai du calibre 12, c'est bon, c'est ouvert. J'ouvre ma boîte. Pas grave, au pire on est en face, hein. Il suffit d'aller vider. Yep. Je vais faire ça, c'est quoi? La chambre avec des drapeaux américains, quoi. Ah ouais, je vais y aller. Je suis parti, hein, j'ai dit que on faisait ça après. Il y a un méchant. Il est où? Putain, je le vois même pas, il est à 2 mètres de moi, je le vois pas, quoi. On n'a pas trouvé beaucoup de sacs, hein. Tiens. C'est dommage. Tiens, ça t'apprendra à faire ton malin. Par là, toi? Bah oui, c'est juste à côté. Et de Chobiti qui a sursauté à côté de moi. Mais tu sais, y a peut-être des sacs ou autre. Jeans, putain, jeans.
Bonsoir, toi. Non, rien de très intéressant. Et une cuisine ici, nice. Quelqu'un pourrait me démonter une petite gazinière là? Oh, la brèche, on a déjà. Ah, une tasse à thé, bah voilà, on va pouvoir faire du thé. Et on sort. Couvercle de bocal, ça peut servir. Un marteau, ça peut servir. Une tapette à souris, ça peut servir. Une éponge, c'est pour Damnet ça. Catox. Ah, lui mettre, on en a plein. Que j'ai encore fait moi. Bon, là il y a plein de bouffe, mais je suis trop chargé. Là aussi. Oh, il y a du sel. Oui, il y a du sel, merci. Ok. Allez, on est trop chargé, faut qu'on rentre. Avant de mourir. On rentre safe. Qu'est-ce que tu fais, Katox? C'est ta réserve de bière là-bas, c'est ça? Ah non, c'est sur le chemin. C'est ta réserve. J'aimerais bien m'arrêter à prendre une bière. Je te laisse t'entraîner. Pull! Pull! C'est normal les portes grandes ouvertes de la base? C'est pour mieux voir, mon enfant. Putain, je meurs de faim, je meurs de soif. Je sais pas, moi quand je suis parti, elles étaient comme ça, donc j'ai laissé comme ça, je me suis dit que c'était normal. Bah, de toute façon, la base elle est pas étanche. Il va falloir qu'on commence à démonter et à ramener des planches et des clous, à faire à barricader tout le devant. Je veux bien qu'elle soit pas étanche, mais on pourrait éviter de la rendre trop pas étanche, quoi. Si possible. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Du soda. Alors j'ai 10 000 bouteilles remplies d'eau. Hop. Voilà, pif. Non, laisse tomber la bagnole. Elle démarre celle-là, mais elle a, le moteur il est foutu. Ah, mais je m'en fous de la bagnole. Bah, tu vas où? Je vais prendre une bière. Ah, c'est les bières! Ah, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de mon accoutrement? Bon, d'accord, j'ai pas le pantalon, mais. C'est vrai que c'est la fabrique de bière ici! Ah, mais t'as même les gants, quoi! Moi, je suis désolé, je m'installe pas là-bas. La fabrique de balles de baseball, je m'installe ici. Ah, mais y'a que des bières ici! Bah oui, c'est une brasserie. Ça saute pas aux yeux, mais c'est mes vêtements chirurgicaux hein, si jamais je dois opérer. Ah, d'accord, très bien. Déjà, quand il met un simple pansement, on a failli mourir. Bah, ouais, maintenant, alors, il te mettra des pansements, mais en étant tout bleu. Exactement. Ah, je t'ai trouvé des gants médicaux. Voilà, une boîte à gants. Et une charlotte médicale aussi. Tapette à souris, ça va là. Ah. Est-ce qu'on aurait un endroit où mettre le ménage à tout hasard, Damned? Oui, c'est là. C'est là. Ici. Ici. C'est un peu mélangé avec la couture, mais c'est. Où pardon. Ah, ici, c'est là. C'est là. À l'étage. À gauche, tout à gauche. Parfait. Étage, je mets une éponge. Un petit escalier dans l'entrée. Et là j'ai des fils électriques et compagnie, je vais les poser par là. Pile, récepteur radio, hop, bim. Et je vais les mettre les bouteilles. Ah bah j'ai plein de bouffe à ramener, tiens. On a aussi des vitamines et compagnie, ça ça va dans la. Il te fallait une casserole aussi ou pas? Casserole on a, mais je pense que ça peut toujours servir plus de casserole. Ah merde, elle est pleine ta pharmacie, Damné, je commence à remplir celle d'à côté. Bah c'est pour ça, tu mets celle au milieu, ouais, c'est fait pour. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 icônes rouges, c'est pas bon signe. Ah top, non. 10 icônes rouges. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis essoufflé, j'ai faim, je suis effrayé, je suis triste, je suis trempé, je suis à bout de nerfs, je meurs de soif, j'ai des blessures légères, je porte très lourdement et j'ai désagréablement chaud. D'accord, donc en fait, ce qu'il faut, c'est que je te fasse à bouffer vite fait, quoi. Mmh, ouais, parce que c'est bien connu ouais, que tu suives. Et que je boive aussi. Ok, et tu reviens carrément avec un fusil, ok, en mode... Ah oui, bah j'ai nettoyé, j'ai tout nettoyé en revenant au fusil, hein, je te le dis tout de suite. Ah ouais. Ça reste plus simple. Est-ce que tu veux, parce que c'est... Cette arme-là, elle est quand même beaucoup plus efficace quand on n'est pas dégourdi. Qui est-ce qui a peur de se battre et qui veut le fusil? Moi, quand il y a un seul zombie, je me démerde pas trop mal avec, avec ma batte de baseball. L'avantage avec le fusil, c'est que tu rates pas ton coup, quoi. Eh bah écoute, confie-moi ce fusil. Je pense que je suis juste trop qu'en mauvais. Cas d'extrême nécessité. Bah surtout aux abords de la... Bah oui. Alors là c'est plein tout ça. Là aussi c'est plein, vous avez pas nettoyé? Okay. Là je suis en train là mais... Eh ça, bah, ça pas va soucis. Oui. Je vais commencer je te mets à... le fusil hop. Là. Allez on allume. Je suis en train petit à petit de tout vider, de tout mettre à la avec poubelle ces trucs là. Cartouches, voilà t'as des cartouches du fusil là. Super. Ça va être génial, je sens que je vais passer un bon moment. Et au cas où, si t'as besoin de te défendre, couteau de chasse militaire. Ah ouais. Ça rigole pas. Du beurre non, du bacon. Tu vois ça? Et surtout, où est-ce que je mets toutes les bières? Ça.
dans la chambre de Katox. Bah ouais, parce qu'on a plus de frigo, donc le frigo il sert à autre chose. Ouais, j'avoue que j'en bois de temps en temps, mais j'irai me servir dans sa chambre, hein, si ça le gêne pas trop. C'est plein ça? Ah oui, 53 sur 15, il y a quelqu'un qui a... Ah oui, non, mais c'est chargé de... C'est ça, chargé, c'est hein. Ça, c'est complètement vide ici, allez hop. Il va nous falloir d'autres frigos, hein, clairement. Hein. J'en ai trouvé un, je peux t'en ramener un, mais je vais d'abord vider tout ce que j'ai sur moi. Alors... Ouais, non, on va pas s'emmerder avec allez, ça. Allez, je vais mettre tout ce qu'il faut là. Ça, en ça fait, va. Attention aux fringues, à pas toucher, parce qu'il y en a que je ramène des fringues assez sympas quand même. Bah, et du coup, c'est fait pour qu'on ne touche pas. Tiens, j'ai ça pour toi, le signe, si tu veux. J'ai pas mal de policiers. T'as ça pour moi. Par terre. À la radio? Bah, ouais. Ok, je démonte. Merci. Bah, il faut, hein. Ouais, t'as raison. Petit dépresseur, antidouleur. Toc. Faut tous soigner soi-même, de toute façon, ici. C'est fini, oui. Mais parle-en à Damned là, il faudrait vraiment que je remonte l'électricité pour ramener une machine à laver, un sèche-linge quoi. Ouais, mais il faut que Damned il monte ses premiers secours aussi là, laisse-le un peu. Ah bah là j'ai des blessures bandées. Bah oui, mais si tu veux, c'est bien de monter des premiers secours, mais nous c'est ici là, c'est quand on est là-bas qu'il faut qu'on se soigne, c'est pas. on peut pas attendre d'être revenu ici hein. Ça d'accord, mais quand t'es là, demande-moi. Ah bah oui, bah il là sera pour l'instant efficace. C'est pas par ça. Plus efficace, pas sûr. Bah ouais. Je pense que ouais. Il est plus efficace que toi. Pour l'instant j'ai 2,5. Eh, cela dit, t'as survécu hein. Oui, c'est vrai. Laisse-moi t'analyser pour voir. Hop, arrête de bouger. Oh, sois sage deux secondes. Bon. Voir. Gant chirurgical. Ouais, c'est vrai que t'as beaucoup de trucs bandés quand même. Hein. T'as essayé de débander un peu certaines choses pour voir. Non, ça sert à rien, j'attends que ce soit sale. Et c'est tout récent, non, mais... tout est frais, t'inquiète. Ouais, bah écoute. C'est du tout frais. Je ramène un bonnet médical, vert. Bon, allez, je vais lire la menuiserie. Il y a de quoi manger dans le micro-ondes si vous voulez. L'électricité. Ah, c'est l'heure d'une petite clope. On refait une méga réserve de Javel, ça j'aime bien. C'est important. Toujours. Katox, tu commenceras à barricader les fenêtres? Ouais. Faut que tu lises la menuiserie d'abord. Si j'en ai vu une quelque part, une pelle. Sinon moi je vais pas tarder à les démonter là. Pour monter menuiserie et électricité pour pouvoir ramener tout ce qu'il faut dehors. Il nous manque l'arboristerie aussi, pas bête. Où est-ce qu'on drop Au sol. Ouais ça. Les armes surtout. Les armes c'est pas défini encore. Bon bah ce sera au sol. J'ai trouvé une machette ceux qui veut. Cool. Est-ce que j'ai tout monté ce que je devais moi pour recherche, je vais pas le monter tout de suite, mais premier secours. Ah, il faut encore que je te drop tout ça. Tant pis. Et deux. Ça se testait. Bien. Qu'est-ce qui me manque? La classe avec ton béret Katox, on dirait un militaire quoi. Plutôt un mercenaire. Ah, c'est plus ça. Je sais que c'est inutile, mais j'aime bien l'avoir qu'il soit marqué lui dans ma liste. Machette quoi. Sérieux. Mais par contre, ce que je suis un peu déçu, c'est que tu peux pas la mettre à la ceinture, elle est obligée d'être. Ah, tu peux la mettre que sur le dos. Quoi. C'est une machette à deux mains. Ouais, mais elle l'utilise à une main. Ouais, non. Il y a un sac de marin par terre, celui qui veut. Y'a plus de fourche là, c'est chiant. Il y a des cadavres qui commencent à être verts, alors je vais peut-être les mettre dehors. Hein. Bah, on a ramené des pelles, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour creuser les tombes. Hein. Alors, ouais, j'ai essayé dans le béton, ça marche pas trop bien. Et il y a un grand jardin et il y a une masse après pour casser la tombe de toute façon si tu veux. Ah oui. Une fois que tu l'as rempli et rebouché. En tant que docteur, normalement c'est à toi de faire ça. Hein. Ah bon? Oui. Bah oui. C'est à lui de s'occuper de la morgue. Hein. Ouais, ouais. Je peux essayer de faire ça. Hein. Pourquoi on n'a pas l'art du trappeur 5 hein? Je l'ai pas trouvé. Ah merde! Ah bah on l'a peut-être dans les bibliothèques, là j'ai rien détruit donc. Ouais, faudrait regarder. Sinon de toute façon on va aller à l'autre librairie. Si tu regardes mon perso, tu vas m'appeler Captain Price. Et hop. La recherche volume 5, non. L'art du trappeur 5. Bon,
Mais moi je pense que je vais commencer à aller faire du démontage. Ah bah non, là il y a du... Ah, ça, je suis passé un 5 en cuisine quand même, ça fait plaisir. GG. Que je mange là, je meurs de faim. Je t'ai dit qu'il y avait plein de bouffe de prête. Hein. Là j'y vais, mais la plupart du temps quand tu dis il y a plein de bouffe de prête, il y a un truc dans le micro-ondes et quand j'arrive il est déjà bouffé. Ouais bah c'est parce que t'attends des heures avant d'y aller. Je t'ai trouvé l'art du trappeur volume 5. Une fois que c'est prêt, tu sais que tu peux le poser. L'art du trappeur volume 5, bah faut le ranger au bon endroit là. Ouais bah je suis en train. Et le... Ah oui, tu laisses plusieurs trucs dans le micro-ondes. Bah ouais. Sinon tu peux poser, tu sais que tu peux les prendre et tu peux les poser sur la table. Tu peux les placer. Ouais, je l'ai fait 2-3 fois mais en fait ça apporte pas grand chose. Là du ça coup, permet de voir qu'il y a de la bouffe après. Oui, ah bah merde, dans le micro, c'est dans le micro-ondes. Évidemment, ouais, j'ai encore une poêle vide sur moi. Ouais, bah tu te barres pas avec toutes les poêles par contre. Tu seras gentil. Je vais m'en servir comme arme. La fameuse. Bon, allez, c'est le moment d'aller démonter des trucs. T'as l'art du trappeur volume 5 si tu veux. Super. Bah, j'en ai pas besoin vraiment là tout de suite. Je m'en doutais un peu. Si je veux aller démonter des trucs, il me faut scie et tournevis. Je commence à te connaître. C'est où les outils? C'est le dans le bâtiment. C'est dans la salle où il y a Katox a fait un mur dans un trou dans le mur. Il y en a plein par terre aussi. Hein, donc... Plein par terre. Oui, allez hop. On avait fait. Ah, il y a une trousse de premier secours dans le coffre de la Lada quoi. Ah, mais on a un magasin avec des tonnes de livres et de trucs. Là. Oh oui, d'accord. Ah oui, non mais le magasin de notre truc il est bien. Hein. Mine de rien, y'a que le capot qui a pris hein. On n'a pas des plaques en métal à tout hasard. Si. Mais on n'a pas de poste à souder. Bah il me faut juste des vis et des plaques en métal pour réparer. Je suis parti vers l'ouest, il y a une autre librairie. Je vais aller voir si je peux trouver l'herboristerie dedans. Avant la tombée de la nuit. Merde, c'est pas le bâtiment qui a brûlé ça? Bah il y a un bâtiment qui a brûlé, mais. Merde, ouais. Le bâtiment qui a brûlé, c'est la laverie. Bah, putain. Il n'y a plus qu'une machine. De toute façon, avant, il me faut des frigos. Puis arrête de laisser les portes ouvertes, Slan. Ah ouais, mais... C'est dingue, incorrigible. Bon, est-ce que je peux pas dépiauter ces voitures? Ça, c'est de la bouffe. Et t'as fini de fouiller la pharmacie, du coup? Il restait la cuisine en haut, mais il y a un frigo. Mais en gros, vu qu'on n'a pas d'autre frigo, ça sert à rien d'y retourner. Tant qu'on n'a pas d'autre frigo. Où est-ce qu'elle est cette fichue Je vais voir si j'arrive à fouiller un bâtiment d'à côté. Ou... Non, il faut la clé. Voilà. C'est pas là. Laver le véhicule, mais oui, mais bonne idée. Ah merde, c'est où? Bon, je force l'entrée principale par la porte en métal. Hein. Démerdez-vous. Non mais des crossoirs de magazine, il y en a partout maintenant. Ils arrêtent pas de le laisser ouvert donc ça me va tout à fait moi. Non ! Putain. Qu'est-ce que t'as fait ? Ah, t'es bah fait rien, peur en voulant cliquer, mon perso allait passer une vitre où il y avait des bouts de verre. Ah. Mais c'est bon, il l'a pas fait ce coup. Où est-ce qu'on peut cette deuxième démonter les rideaux? Oui, on peut démonter les rideaux. Bah j'ai gagné un point de course au moins. Oh, un camping-car! C'est toi ça, Slan? Ouais. Mm. T'es pas du tout un camping-car, qu'est-ce que tu racontes? Bah et ça, là. C'est quoi? Bah moi c'est vide. Super. Y'a des trucs dans la cuisine en haut hein, quand même, si tu veux... Il y a une poêle vide, des conserves. Oui, non, mais je te dis, il y a des trucs, mais tant qu'on n'a pas de quoi stocker, ça sert à rien, quoi. C'est vrai. J'avais du sel d'intéressant que j'ai ramené. Des draps, c'est bien ça, les draps. Mais voilà, il y a plein de choses à droite à gauche, quoi. On a une plaque de cuisson, tiens, je peux prendre ça. Où est-ce qu'elle est cette deuxième librairie? Donc, je répète, la nuit tombe. Ouais. Y'a quelqu'un derrière là. Hein. Tiens. Quoi, deuxième librairie. Putain, il avait un protège-dents le zombie quoi. Du coup, ma botte de baseball faisait rien.
Bon, je m'enferme dans un appart. Comme ça pour la nuit? Bah pour démonter des trucs, ouais. Attends, c'est peut-être ouvert. Je suis con. Je suis en train de casser la porte alors que la... Non, il y a un vieux carton pourri dans une baraque. Il y a deux couteaux de chasse, une houe de jardin, une lance artisanale, un maillet en bois, un marteau et une matraque de police. Dans un vieux carton. Bah écoute, le mec, il savait faire des stocks. Bah écoute, apparemment, mais son stock va devenir le mien. Bah de toute façon, s'il est plus là, c'est qu'il est mort. Hein, donc... Par contre, on a toujours pas trouvé de masque de ferronnier. Non, si, le masque, oui. On n'a pas trouvé de chalumeau. On n'a pas trouvé de chalumeau? Non. Mince, ça craint. Non, boire. Et en plus, ça me permet de faire taire le zombie qui tapait à cette putain de porte qu'on entendait sans arrêt. Oups là. Hop là. Une horloge à démonter. Hop. Toc, une ampoule, un amplificateur, de l'aluminium, divers petits composants à droite et à gauche. Ah, je suis à la moitié du premier point d'électricité. Moi c'est pareil, je commence à monter un petit peu d'électricité. Faudra 3 points pour pouvoir amener des lave-linges. Il y a une autre laverie un peu plus loin. Si elle a pas brûlé. Moi je me mets full menuiserie. Bah moi ça m'emmerde, j'ai pas envie de démonter la Lada, elle est en super état quoi. Bah la démonte pas, t'as plein d'autres bagnoles ailleurs. Ouais mais il faut les clés. Bah non, tu casses une vitre. Ouais mais... Casser une vitre quoi. Non mais t'as raison, faut casser une vitre. Tu casses une vitre et si tu veux, si t'as pas la clé, moi tu me demandes et je te mets les fils. Voilà, une fois que la fenêtre est cassée, je peux démonter la porte. Si vous trouvez des draps, n'hésitez pas, on les accrochera à toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. De toute façon, on va mettre 4 planches de chaque côté, donc tu sais, les draps ils serviront à rien. Si, je suis sûr que tu peux. Je sais pas si y a à mon avis. La troisième planche, elle coupe la vue. T'es sûr? Sûr. Bah oui. J'ai trouvé des papiers, du papier toilette, ça vous tente ou pas? Ouais, vous avez pas l'air emballé. Oh, ouais. Oh, okay. C'est-à-dire, tu dois répondre quoi? Eh, l'art du trappeur volume 5, non, on l'a déjà, hein, c'est ça? Oui, je t'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans une baraque. Hein. Capot. Mouais. On va démonter les fenêtres. C'est facile, ça fait monter facilement. Et hop. Un de vêtements, on est tranquille hein. Comme télé, tiens. Mais alors, retirez une fois que j'aurai 3 en électricité, je pourrais vous ramener une machine à laver. Par contre, faudra quelqu'un qui travaille des métaux pour la brancher au sol. Sinon elle marchera pas. J'ai 3 donc ça va. Donc ouais, tu pourras ouais, mais tu pourras pas, t'as pas les outils. Bah ouais, s'il faut, ça dépend, il faut quoi. Bah il faudra... Non, pour la brancher, il te faudra juste la clé à molette justement, je crois. Donc ça va être bon. C'est le qu'on a. Moi j'ai une clé à molette s'il faut. C'est quoi la blague? Pourquoi tu me la démontes pas? Ah, tu me l'as déjà démonté. Ah oui, ça a été rapide. Allez, on peut charger là, faut rentrer. Une caisse. Pour l'instant, moi je fais que l'électricité. Boum. On verra plus tard pour le reste. Franchement, le son est vraiment bien fait. Hein. Le bruit de pluie atténué quand t'es dans l'entrepôt, il est vraiment cool. Hein. Ouais. Ou dans un grand hangar et t'entends vraiment que c'est ça, la pluie qui bat dans le hangar. Ouais, c'est franchement pas mal. Bon, le truc du milieu a l'air de pas être géré sur ce truc-là. Pare-brise arrière, on va retirer. Raté, dommage. Oh, ouais, c'est pas beaucoup de chance sur ce pare-brise arrière là. Encore une horloge à démonter. Combien? 50%. Cherchez pas l'heure dans les bâtiments aux alentours. Est-ce que quelqu'un a déjà démonté tous les ordinateurs dans notre base? Non, c'est que 20% non. De chance, alors du coup je me suis dit qu'on allait attendre d'avoir un peu plus de... Non, une télé là si tu veux.
je vais tenter de démonter une télé. Et hop, level 1. Niveau 3 menuiserie. Ouais, bah je suis niveau 5 en cuisine, alors faites pas les malins. Bon, je fais le tour. Tiens, un moule à gâteau, ça t'intéresse de nous faire des gâteaux? Ah bah ça c'est bien, moule à gâteau, bah il nous faudra de la farine. La voiture, mais normalement toute la fenêtre bah, du bac, on va récaler sur l'extérieur. Bah y'a du cacao en poudre déjà. Oh y'a du jalapeno quoi, dans le frigo. Jalapeno. Y'a sûrement à bouffer dans le frigo, faudrait que j'aille voir moi. Dans le frigo de la base, non. Non, je suis en train de regarder dans la part où je suis. Tiens, taki walkie, hop. Bah allô. Voilà, poulet. Allo, est-ce qu'on m'entend? Non, ça il marche pas. Hein. Petite histoire, il y a un véritable VOIP qui est intégré au jeu. C'est vrai. Ouais. Non, ça c'est vrai. Oui, avec la proximité et tout. Ouais, et si t'as un talkie walkie que t'es équipé, tu peux parler à des gens. On avait évoqué l'idée de tester la feature, mais... Je suis pas convaincu quand même que ce sera. En tournage, ça va être compliqué quoi. Ouais, on n'est pas des puristes nous, puis en tournage. Bah, c'est juste dire qu'on va pas s'entendre quoi, c'est dommage pour toutes les blagues de Katox. Bah, c'est ça, ouais. Katox il fera des blagues. Ah, vous m'entendez? Ah, ah non? Ah bah. Attendez, coup, activez votre micro là, que je puisse faire une blague. Un revolver. Allez, je pense qu'on va pouvoir arrêter l'épisode là, Slan. Attends, je me mets à l'abri là. Oh, tout de suite. Allez! Voilà, et eh bah ben, écoutez, on progresse bien, hein, et puis on va guérir tranquillement. Y'a pas de raison de penser qu'on va mourir. J'espère que ça vous a plu. Je remercie Katox, Damned, Le Sim pour cette première session. C'est excitant d'être en ville, hein. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est pas ça pareil, change. Ouais. C'est clair. C'est non, mais au moins, y a plein de choses à découvrir tout de suite, à pied et tout, c'est cool. Franchement. Voilà, on peut tous se balader. Y a des trucs à faire juste devant la porte, quoi. Tu traverses la rue, tu trouves du boulot, quoi. C'est ça. La référence. Allez, belle. Aïe. A plus tout le monde. Ciao. Bisous.